viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Thank you.
De la lettre de Saint Jacques. Quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est une grande joie, car l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi produit en vous la persévérance, et la persévérance doit vous amener à une conduite parfaite. Ainsi, vous serez vraiment parfait et il ne vous manquera rien. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. En contemplant la passion de Jésus, notre Sauveur, nous supplions. Pour ceux que la tristesse accable, souviens-toi de ton agonie. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux qui sont blessés dans leur chair, souviens-toi de tes tortures. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux qui souffrent la dérision,
souviens-toi de la couronne d'épines. Pour ceux qui désespèrent de la vie, souviens-toi de ton cri vers le Père. Pour ceux qui meurent aujourd'hui, souviens-toi de ta mort sur la croix. Pour ceux qui espèrent contre toute espérance, que resplendisse ta résurrection. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Béni sois-tu, Père, tu as exaucé le cri de ton Fils au jour de sa chair. Tu exauceras aussi l'immense clameur de ceux qui souffrent et que Jésus te présente aujourd'hui par nos lèvres. Tous les hommes alors te glorifieront dans les siècles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.